Vérone, le stade de Marc Antonio Bentegodi pour ce match entre la Belgique et l'Espagne. Les Belges, pour l'instant, 3 points, une victoire, un nul. Et les Espagnols, une victoire, autant dire que l'Espagne, si elle veut s'assurer une place en 8e, doit s'imposer ou au moins prendre un point. Ce qui ne sera pas chose facile face aux Belges, qui montrent pour l'instant un visage plutôt rassurant pour cette Coupe du Monde, plutôt offensif. Chiffaut, le premier tir de Chiffaut, parce que sans élan, sans problème pour Zubizarreta, ce sont les Belges qui mettent le pied sur le ballon en début de match. Kullmans qui va se présenter, Kullmans aux mésententes entre le défenseur et Zubizarreta, et ça finit, ça a failli finir au fond des filets ce ballon. Pas très rassurant cette défense espagnole, corner d'Enzo Chiffaut. La tête de Kullmans, ça passe au-dessus. Stelens, Mitchell récupère, Mitchell, et non, c'est repris par Demol, Kullmans, ballon pour De Gries qui se retourne, frappe de De Gries. Sans problème pour Zubizarreta. Pour l'instant, on joue depuis une demi-heure, on n'a pas encore vu les Espagnols, peut-être ici avec le Martin Vasquez. Martin Vasquez, une fois, deux fois, ballon pour Mitchell. Mitchell, oh Mitchell, super bleu, le petit dribble de Mitchell sur Michel De Wolf, mais derrière, c'est mis en corner. Allez, on approche de la mi-temps, De Gries, Chiffaut pour Kullmans. Kullmans qui va aller au bout, le centre au cordeau, second poteau, tête de De Wolf et but de Michel De Wolf, le latéral gauche belge qui met sa tête. Et là, par contre, Zubizarreta, il est peut-être pas exempt de tout reproche, car il semble que ce ballon, il pouvait sans doute l'avoir, en tout cas il le touche, on va le revoir en ralenti, en tout cas c'est quand même bien joué. Regardez Kullmans, il a encore des jambes, hein, Yann Kullmans, au trentenaire, c'est au second poteau. Et on se demande comment De Wolf il peut mettre ce ballon au fond, car là franchement il n'a pas d'angle. Et vraiment une erreur quand même de Zubizarreta. En tout cas 1-0 Mitchell. Mitchell qui se présente tout seul. Mitchell avait fait le plus dur. Mitchell qui avait passé en revue toute la défense. Boutragueño s'est repoussé par Prodhomme. Voilà la plus belle opportunité espagnole. Mais à la mi-temps on en est à 1-0. C'est la Belgique qui est en tête. Allez, l'Espagne qui doit réagir. Rafa Paz, il a de l'espace. Rafa Paz. Tire de Rafa Paz et c'est pas cadré. Il peut se prendre la tête à deux mains. Mitchell, ballon superbe pour Boutragueño, la avec De Mol. Boutragueño, c'est la barre. C'est sur la barre ce ballon. Attention, Mitchell qui se retourne et il va obtenir un corner. Quel dommage pour les Espagnols, ce tir sur la barre de Boutragueño. 73e but de jeu, Claessen. Nico Claessen, il lève la tête, le centre de Claessen, tête de Kullmann, c'est largement au-dessus. Les Belges qui gèrent tranquillement, 77e, Enzo Chiffaut, le coup franc de Chiffaut, voilà, Zubizarreta, il est bien dessus. C'est un peu plus rassurant que sur le but belge. Boutragueño, il a pris de vitesse, Albert, non, Richters, ballon, attention, Grone, il est pris par Rafa Paz, Baquero, on se bat côté espagnol, on veut recoller au score, Martin Vasquez pour Mitchell qui se retourne, c'est contré une fois, ça va être dégagé. On est à 90 minutes du jeu et l'arbitre qui siffle la fin. La Belgique prend la tête du groupe. Les Espagnols devront attendre les autres résultats pour être sûrs de se qualifier. Le Stadio Friuli d'Udine qui accueille aujourd'hui la Corée du Sud et l'Uruguay dans ce groupe E, le dernier match. Les Uruguayens ont déjà un pied en 8e de finale. Ils ont 3 points, une victoire, un nul. Les Coréens, eux, 0 pointé, 2 défaites, même s'ils ont montré quelques belles choses, notamment face à l'Espagne. Ils espèrent aujourd'hui obtenir leur premier succès, même s'ils ne passent pas le premier tour, ils ont toujours au moins l'assurance d'avoir remporté un match en Coupe du Monde. Kim Yoo-sung en action, son tir passe à côté, il était de toute façon signé leur jeu. Les Coréens sont les plus présents dans le jeu, on le sait, hein, les Européens en général n'ont pas trop faire le jeu. Ici un ballon qui va revenir sur Kim Yoo-sung pour Wang Sun qui se présente face à Alves, sortie d'Alves. Ballon pour Lee Young-jin qui est bien décalé et l'ouverture du score pour la Corée par Lee Young-jin.
Et voilà, les Coréens sont récompensés. C'est la première fois qu'ils mènent à la marque dans cette Coupe du Monde. Beau travail en tout cas, bien amorcé, vous allez voir, par Wang Zhen qui se présente face à Alves. La bonne sortie du portier uruguayen et derrière le beau travail de Cho Min-kook, je crois, qui préfère décaler son partenaire. 1-0. Réaction uruguayenne avec Daniel Fonseca, le centre de Fonseca. Alors pour Saldana qui récupère et qui marque. Oh oui, superbe but du défenseur uruguayen. Magnifique, là il a, c'est pas posé de questions. Ça c'est un petit peu dur pour les Coréens qui dominaient ce match et qui pensaient avoir fait le plus dur en ouvrant la marque. Là, regardez Fonseca, le centre, c'est repoussé. Là, Saldana il récupère, il reprend en se retournant, ça va dans la lucarne, un partout. C'est dur pour les Coréens et voilà, c'est ce qu'on appelle le réalisme. Allez, la Corée qui se remet en position avec Wonson. Bonne sortie d'Alves dans les pieds du attaquant coréen. 45 minutes de jeu, ballon qui est dégagé, ça revient. Lee Young-jin, talonnade pour Choi Soon-ho pour Wang Zhen, qui est bien placé. Ballon en retrait pour Kim Il-sung. Superbe mouvement, ça passe au-dessus. Ah, il n'est pas en réussite l'attaquant coréen, mais que c'était bien joué ce mouvement. Et la frappe de Kim Il-sung trop enlevée. Un partout à la mi-temps. Pour l'instant, les Coréens n'ont pas réalisé leur rêve de remporter ce match. Second temps avec un corner pour Castro. La tête de Gutiérrez repoussée. Ça revient sur Gutiérrez qui suit et qui marque. Ah là là, 100% de réussite pour ces Uruguayens. Ah, c'est cruel pour la Corée. Mais quel manque de hargne, de grinta. Les Uruguayens, ils l'ont à l'image du défenseur Gutiérrez. Là, il a la grinta. Car lui, il fait la tête et c'est encore lui qui, derrière, il y a un peu de réussite car le poteau, ça frappe sur le poteau et ensuite touché par le portier coréen. Et la Corée qui va se relancer. Yong-sing, Chung Sung-yu, le centre, la tête et l'égalisation. L'égalisation de Choi Soon-ho pour la Corée du Sud. Ah, il est heureux, Choi Soon-ho, de partout, c'est plus conforme à la réalité du terrain. En tout cas, un but de la tête pour les Coréens, c'est assez rare pour être souligné. Le beau centre. Et là, ah oui, il a devancé le défenseur uruguayen. 2-2. Choi Soon-ho qu'on retrouve. Une balle en profondeur pour Kim Il-sung, une nouvelle frappe. Ah, il ne cadre pas l'attaquant. Il a du mal à cadrer aujourd'hui. Pourtant, il se crée des bonnes opportunités. Récupération ici encore Kim Il-sung, il est plus rapide. Kim Il-sung, il dépose le défenseur. Le ballon en retrait, c'est dévié. C'est Choi Soon-ho et c'est le troisième but. Troisième but de la Corée. Le troisième but de la Corée et le deuxième but de Choi Soon-ho. Mais quelle rapidité de Kim Il-sung qui a déposé littéralement ces deux défenseurs là. Regardez, il récupère et là, l'accélération. Le ballon en retrait s'est légèrement dévié. Heureusement car du coup, ça revient dans les pieds de Choi Soon-ho. 3-2. La Corée repasse en tête. Kim Il-sung encore. Kim Il-sung. Le ballon en retrait pour le quatrième pour Choi Soon-ho. Oh, il l'a mis à côté. Il l'avait à côté, il avait une balle de hat-trick, l'attaque, le milieu de terrain coréen. On revoit là, sous la pression, Kim Il-sung, encore lui, hein, très vif, le ballon en retrait, et là il a place à côté. Quel dommage. Attention, Pereira, Ruben Paz pour Ruben Sosa qui se présente et qui égalise. Ah, les Uruguayens n'ont pas besoin de 50 000 actions pour marquer des buts, eux. Chaque action se concrétise par un ballon au fond des filets. Et là, c'est Ruben Sosa qui égalise. Mais que la défense coréenne est un petit peu passive, hein, sur ce ballon. Et Ruben Sosa, plat du pied. 3 partout, Castro. Castro qui va aller jusqu'au bout de l'effort. Le centre de Castro. Choi Soon-ho, le gardien, qui prend bien ce ballon. Allez, on est rentré dans la dernière minute de jeu. 3 partout, c'est pas déshonorant. Ruben Paz encore pour Sosa qui se présente tout seul. Sosa repoussé par le gardien, une fois, deux fois. Sosa encore, ça va être trompé, c'est non, c'est le but. 4-3, 4 buts à 3, incroyable dénouement ici à Udin. La Corée du Sud qui plie dans les arrêts de jeu après avoir offert un beau visage
après avoir marqué 3 buts de toute beauté. Et ils craquent défensivement, ils ne sont pas à la hauteur. Et regardez, Ruben Sosa qui inscrit son deuxième but en l'espace de 10 minutes. 4 à 3, et oui, c'est terminé. L'Uruguay est qualifié pour le second tour. La Corée termine avec 3 défaites.